Un très très beau parcours. Elle va terminer 4e ou 5e du championnat de France. Ludivine Furnon en raison d'une chute à la poutre. Mais bon, l'année prochaine, elle sera au premier rang. Sébastien, spécialiste à la barre fixe, rappelons-nous qu'à Bercy, il avait gagné une médaille d'argent. Attention. Hey, spécialiste, mais même pour lui, une erreur est possible. Et c'est fait, dommage. Sébastien a maintenant 30 secondes pour remettre du blanc et poursuivre son exercice. Voilà, on revoit l'entrée ici, Stelder, inversé. Il ne remonte pas tout à fait jusqu'à l'équilibre, se trouve désaxé et le pied touche la barre. Et on enchaîne. Alors j'espère que ça ne l'aura pas trop déconcentré car maintenant il doit faire un lâcher très difficile, le Kovacs. Salto avant par-dessus la barre. Oh, voilà, bien réussi. Oui, enchaîné, deuxième chute. Oh. Ah ça c'est terrible. Hein. Oh là là là. La barre fixe, c'est pas du pipeau, hein, comme dirait Pierre Salviac. C'est un travail de très grande précision. Regardez ce Kovacs, grande spécialité de ce salto au-dessus de la barre, en arrière. Et là, rattraper le deuxième lâché, effectivement, pas facile. Enfin, il va s'y remettre, Nicolas. Et là, il a déjà perdu, bien évidemment, au moins 5 dixièmes. La chute, oui, 5 dixièmes, plus quelques dixièmes dans la combinaison qui se trouve réduite. Accélération, sortie, double tendue avec double vrille. Voilà, contrairement à certaines épreuves comme l'athlétisme où il y a 3 essais, plus comme en hauteur ou à la perche, ici vous n'avez pas 3 essais. C'est la grande différence qu'il y a entre la gymnastique sport à risque et sans répétition et d'autres épreuves où on a le temps de se refaire un peu la santé. Voilà l'exemple type de ce genre de compétition.